Konya, capitaine équipe jamaïcaine, yon koufran qui nan one cent là, qui pas capable de créer gros danger pour équipe nationale là. Mais Konya a mandé à Patnelio, démarqué, il fait yon long dégagement là. C'est pour Chadia et attaquant yon là. Chadia a un ballon à nouveau pour équipe jamaïcaine. Il perd du ballon, heureusement pour nous. Eloisin récupéré là pour équipe haïtienne. Eloisin, la passe pour jouer avec Tabina. Tabina remettre un ballon et pour Dumoné. Ballon à jouer avec Ketina. Ketina dégagé, mais mauvais dégagement de Ketina. C'est équipe jamaïcaine qui récupère. Ballon à jouer dans le terrain là avec Louis Batcheba. Mais balle perdue. C'est donc Kounia qui a un ballon pour équipe jamaïcaine. Konya à nouveau, la passe dans le trou, mais bien lui pas, bien lui faire, dans la défense équipe haïtienne, l'image, Ligue Ballon, il joue avec Eloisin Ballon, la talonnade Eloisin, il conserve le ballon, il y a eu le ballon, bien joué, pour jeudi que Ballon, mais attention, possibilité de la pour la Jamaïcaine, puisque avant ce but, Jamaïcaine qui t'a poussé à mettre pression pour essayer de recoller au score. Un second but venu de fort belle manière, d'autant que nous nous approchons de la fin de cette première période. C'est un coup de massue pour les Wiggers. Attention, passion de réduction du score. Oh là là, réduction du score. Erreur. Grosse faute de marquage dans la défense haïtienne. C'est un but qu'on aurait pu éviter. Justement, d'autant qu'on est à la poche de la fin de la première période. Donc c'est deux points ici. Un pour la Jamaïque, mesdames et messieurs. Encore une fois, c'est une rencontre. C'est une fois qu'à loin d'être terminée. Il va falloir remobiliser, parler avec les joueurs haïtiens et ODCR de manière à ce qu'elles puissent se calmer, trouver leur lucidité, de manière à ne pas épater le public haïtien.